Et salut tout le monde, c'est Kimer9 pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sur Forza Horizon 3 sur l'extension aux tuiles. Et là, on est passé sur du S1, donc c'est un peu plus costaud déjà, ça fait plutôt plaisir. J'ai choisi une autre voiture aux tuiles, celle avec les deux moteurs. Je vous la montrerai un peu plus en détail plus tard. Par contre, on est sur, allez, le cinquième essai de la... Ouais, le cinquième essai pour cette vidéo. La voiture s'envole. Pour une raison que j'ignore totalement. Ça me dégoûte un peu. Mais enfin, on va essayer de faire avec. Ouh, la GTR animée, j'ai envie de te dire. Et qui derrière? Oh non, pas la Mercedes de la drogue. Non. Bah, c'est là qu'il faut que je freine un peu parce que la voiture s'envole. Pourquoi tu freines, GTR? Depuis quand GTR ça freine? Explique! On peut peut-être essayer de la voir, allez! Allez! Voilà! Après looping, on va avoir une vitesse de monstre. Et il va falloir faire très attention parce qu'il y a un petit saut assez dangereux. Là, donc il faut se coller ici. Merci Mini pour l'astuce. Donc ensuite, on speed. Parce qu'en fait dans Forza, dès que tu passes premier, pour une raison que j'ignore, les bots freinent. Peut-être pour te laisser premier, je ne sais pas. Ça, je crois que c'est un problème de Forza et on va en profiter. Jusqu'à ce qu'à un moment les bots se disent, et si maintenant j'essaie de dépasser. C'est bizarre, hein. Mais je pense que vous l'avez peut-être remarqué sur Forza. Hein. Là, va pas falloir se chier parce que la voiture s'envole. Concentration. Là, freine un peu. Voilà. En général, celle-là qu'elle s'envole. Mais là, c'est bon. On a bien fait. On est bon là, on est bon, on a réussi notre petit défi là, l'objectif, on est premier, maintenant il faut rester premier, il nous reste encore deux tours, faut pas stresser, faut pas se déconcentrer, faut visualiser la victoire. Je pense que c'est déjà un bon début. Merde, une voiture qui me rattrape. Allez, le looping, il faut pas se chier, looping. Enfin, la sortie du looping, le petit saut. On passe le chier. On colle. Ça passe. C'était limite. La roue, elle a touché. Mais faites ça en multi, les gars. Je vous jure, vous passez premier. Le freinage, j'ai de l'avance. Oh, parfait. Ça, c'est bien, ça. Speed. On freine et on s'envole. Nickel. Non, parce que souvent en fait dans tous mes essais je fonce sur la route qui est juste au dessus en fait et j'atterris dessus tranquille et donc ça me fait rater tous les checkpoints et je suis dans la gare. Allez, dernière ligne droite, enfin
dernier serpentin, looping, je ne sais quoi. Ah, je touche. Je n'ose pas assez bien. Ils sont juste derrière. Allez, allez. On peut le faire. Faut pas se chier. Faut pas se chier. Kimi. Kimi. Le saut de la foi. Ça passe, ça dérape. Et on rattrape. Et on gagne. Wouh. C'était le cinquième essai. Allez, c'est parti. Tu penses qu'on pourrait contacter les ingénieurs de Hot Wheels pour qu'ils fabriquent des granges ou ranger les modèles de collection? Vise un peu ça, boss. C'est vieux. Très vieux, même. C'est une Ford de luxe. Un coupé des années 30, je crois bien. Et dire qu'à l'heure actuelle, on roule sur des routes en plastique orange dans le ciel. Ha ! On n'arrête vraiment pas le progrès. Et on est parti, tout le monde. Nous sommes sur une Acura. Voiture magnifique. Franchement, c'est... Elle est belle. Elle est belle. Je l'ai laissée en propu pour essayer d'avoir une... Je sais pas, moi, une bonne maniabilité. On verra bien si mon choix a été judicieux. Il faut qu'on fasse du drift aussi. Ça va être compliqué. Allez, vas-y. Allez, la NSX. Ah oui, faut que je fasse du drift. Ouais. Ouais. Oh là là, mais cette perte de vitesse phénoménale, c'était beau. J'aime pas cette caméra. Vous faites quoi, les gars? Les gars? Oh, t'aurais pu mettre deux drifts. Oh ouais, vas-y, la GTR, pousse-moi, aide-moi. Fais quelque chose, je suis le héros de cette histoire. Ça va devenir compliqué. On speed, on a fini. À fond la NSX. Allez, t'es une Acura, hein. Rappelle-toi ça. Tu as une histoire. Des origines de guerrier. Allez. Et t'es pas n'importe quelle Acura. Une NSX. Tu vois la Lambo là? Tu vois la Lambo? Tu la manges. Mange-la. Montre-lui. On se bat. Et ben voilà, les Italiens, on les bouffe. De toute façon, c'est que des tricheurs. Allez, bam. Et bim, ça fait plaisir et on passe sur du S2. On passe en S2 pour les circuits suivants. J'ai vu à quoi ressemblaient les esquisses de ces modèles. C'est plutôt surprenant. Bon,
Et bien tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Moi je vous dis à plus pour la prochaine où on terminera le S2. Bye tout le monde.